Le nouveau programme qui s'appelle « Comment créer le mandala d'une vie réussie » est spécialement conçu pour mes étudiants qui aimeraient trouver une manière d'équilibrer leur spiritualité et les choses matérielles. Comment être accompli dans la vie sociale, mais également dans le monde spirituel. Et pendant ma pratique, j'enseignerai et ferai des exercices spéciaux qui aident à débloquer notre pouvoir intérieur, à débloquer notre abondance. Car tout réside à l'intérieur de nous, mais parfois, les blocages, influences négatives, les attaques ou mauvais esprits, comme on les appelle en chamanisme, ne nous laissent pas manifester notre pouvoir à 100%. Et beaucoup de mes étudiants me disent qu'ils sentent qu'ils utilisent seulement 5, 10, à maximum 20% de leur énergie dans cette vie, mais qu'ils veulent la sentir entièrement et réaliser leur prédestination. Nous apprendrons différentes lois cosmiques et aurons notre propre expérience. Ce que ça signifie de sentir que oui, nous manifestons notre intention. Nous apprendrons et comprendrons ce qu'est une intention et comment la créer, comment attirer et matérialiser nos idées dans le monde physique. Je suis très heureuse de partager cette connaissance ancestrale, car c'est un de mes sujets préférés. C'est le résultat de ma propre expérience de vie et j'en ai une bonne connaissance. Comment équilibrer la spiritualité dans le monde matériel, être performant et avoir un bon business, mais sans problème de santé, de ne pas avoir de problème de couple et être entièrement satisfait chaque jour passé dans ce monde. Ensemble avec mes étudiants, nous allons apprendre des lois cosmiques des affaires afin d'être prospères. D'habitude, dans ce monde, nous passons trop de temps à générer de l'argent, à atteindre des buts, mais souvent, en nous trahissant nous-mêmes, le but de notre âme, etc. Et je suis très heureuse de partager avec vous l'ancienne connaissance profonde de ma tradition chamanique sibérienne. Comment équilibrer la spiritualité et le business, être prospère, mais aussi développer votre prédestination et réaliser votre mission. Pourquoi, demanderez-vous, quelle est votre expertise de la vie? C'est exactement ce que je voulais vous dire, car mon expérience de vie est un bel exemple que c'est possible. Il est possible d'atteindre l'objectif matériel dans cette vie, car dans l'enfance, j'avais pour objectif de construire une carrière et être prospère, avoir un business, être indépendante, d'avoir toutes les opportunités de voyager. Et ensuite, lors de la seconde partie de ma vie, j'ai commencé à utiliser le matériel que j'avais reçu avant pour aider les gens et partager mes talents et habiletés en tant que soigneuse, en tant que chamane. Et maintenant, je suis prête à partager mes secrets, mes méthodes, comment atteindre de merveilleux résultats en peu de temps, en ouvrant l'énergie et en équilibrant l'énergie matérielle et spirituelle dans tous les chakras. Bienvenue, bienvenue. Je suis heureuse de vous rencontrer et très bientôt, nous nous aiderons chacun à partager ce don.